Non, mais on sait qu'ici, il va pas en France. C'est les salaires et les charges, ça coûte trop cher. Attends, tout ça, ça coûte trop cher aux employeurs. Ils peuvent pas s'en sortir, les tauliers. Attends. Tiens, tu prends l'exemple d'une entreprise en France. Par exemple, le PSG. Bon, mais ils vont avoir 40 millions d'euros à sortir cette année. Et dis donc, tu les trouves pas sous une motte de terre, hein, les bifetons. Hein. 40 millions, il faut les sortir. Et les patrons, c'est pas les rois du pétrole. Hein. Hein ? Pour le PSG, si, justement. Oh bon. Tiens, dis donc, Katy, t'es gentil, tu m'en plais le baril, là. Eh, c'est bien la bouche pleine, hein, qu'on ait le moins de conneries. Hein. Non, mais c'est pas évident. Tiens, tu prends par exemple le défenseur au PSG, le brésilien Thiago Silva. Bon, bah, salaire annuel, 9 millions d'euros, ok. Mais est-ce qu'il a une bonne mutuelle? Est-ce qu'il a des tickets resto? On n'en sait rien. Non, tu sais, la précarité, des fois, ça peut se nicher dans les endroits pas possibles. Tiens, dis donc, t'es gentil, Katy. On remet la balle au centre.